avant de commencer, demain du côté de Courbevoie, les amoureux de la rumba, demain du côté de Courbevoie, il y a un concert rumba, un artiste congolais qui fait mal en ce moment, il s'appelle Segra Kar, il sera en concert demain, au Feeling Club, c'est au 18 rue Baudin, 92 400 Courbevoie. Oui, c'est là-bas, demain là, à partir de 21h, ça va teur, le gars va tuer, sa voix va tuer. Quand il chante la main, tu as la chair de poule, il est fort comme ça. Vous avez compris? Donc demain, mes hommes sur, mes femmes sur, demain du côté de Courbevoie, merci d'effectuer un déplacement, c'est-à-dire vous me rendez honneur à chaque fois. À chaque fois que je vous annonce quelque chose, vous partez. Et ça me fait plaisir. Parce que moi, mon public, là, c'est pas un public yougou yougou à Dokaflé. Moi, mon public, c'est un public choco. C'est un public responsable. Donc, quand moi, il annonce quelque chose, là, et puis moi, mon public va là-bas, là. Toi-même qui m'a dit de faire ta publicité, là, toi-même, tu es content. Parce que c'est pas les conneries qui vont aller. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de faire des réservations, merci d'appeler au 06 13 29 18 87. Au 06 13 29 18 87 ou au 07 53 82 21 84 ou au 07 53 82 21 84. Les fans, les amoureux de la rumba, demain, à partir de 21h, à Courbevoie, au 18 rue Baudin, Courbevoie, il y a parking. Vous pouvez vous garer, il n'y a même pas de problème. La sécurité est garantie. Vous allez bien manger, vous allez bien boire vos champagnes, vos bières, tout ce que vous voulez. Vous allez, en tout cas, il y a tout là-bas. Et puis, il y a les vrais gars là-bas, il y a les vrais gars là-bas. Donc, demain, là, allez vous amuser un peu. Il fait chaud dans le cercueil. Il fait chaud dans le cercueil, mon cher. Toute la semaine, tu travailles. Toute la semaine, tu cours. Vendredi, quand le week-end arrive, là, faut aller te défouler un peu. Faut aller t'amuser un peu. Ça fait quoi? Toi-même, tu fais plaisir à ton corps, mon frère. Mais ma soeur, si tu restes là, tu travailles toute la semaine. Tu travailles. Le week-end encore, tu es dans la maison. Mon frère, toi, tu vis pas. Tu es en train de traverser la vie. Ma soeur, tu vis pas. Tu es en train de traverser la vie. Donc, si tu aimes la rumba, ça te coûte quoi d'aller là-bas? D'aller t'asseoir, d'écouter quelqu'un chanter en live. On va pas mettre musique en live. C'est-à-dire que sa voix, là, c'est en live comme ça. Toi-même, tu vas apprécier. Bon, c'est une parenthèse. Mes femmes sûres, vous avez été nombreuses à me demander, coach, il faut faire un direct sur comment prendre soin de son corps, sur les produits qu'on peut prendre pour perdre du poids, les produits qu'on peut prendre pour avoir un ventre plat, les produits qu'on peut prendre pour être bien pata. Vous avez été nombreuses à me demander, coach, quelle pommade tu utilises, quel est les soins que tu fais, comment est-ce que tu fais pour avoir un teint toujours frais. Tout ça, là, vous m'avez demandé. Bonne nouvelle, mes chéris. Je vais faire un direct, pas aujourd'hui. Je vais faire un direct spécial coquetterie, spécial produit, spécial entretien. Je vais vous présenter les produits que votre coach utilise. Bah, toujours quand il boit de l'eau, là, mon eau est jaune. Il y a des gens, ils pensent que c'est liqueur. Il y a des gens, ils disent que c'est là. Quand elle fait direct, là, elle boit la liqueur seulement. Donc, elle est gnéné. Et puis, elle parle, on dirait une folle. Moi, elle ne boit pas. Moi, là, quand je bois l'alcool, là, c'est champagne, je bois. Moi, je ne bois pas bière, je ne bois pas liqueur, je ne bois rien. Ma seule boisson, là, c'est champagne. Mais quand ils sont en train de faire mon bara, je ne bois pas l'alcool. Parce que je respecte ceux qui m'écoutent. Je respecte ceux qui me regardent. Donc, l'eau que vous voyez jaune, là, c'est la tisane. C'est une tisane que je mets dans l'eau. En fait, cette tisane-là, elle te permet d'avoir une ligne propre, d'avoir une forme bien, de ne pas grossir. Elle te permet d'avoir une belle peau lumineuse. Voilà, c'est la tisane que je bois. Bonne nouvelle, j'ai tout ça là. Demain, je vais vous présenter tout ça. Les produits qu'il faut prendre. Ça, c'est les produits miracles. Ma chérie, quand tu prends ça, ma chérie, toi-même, quand tu regardes ton corps, tu regardes ta forme, tu perds du poids, ma chérie. Tu perds du poids bien là où il faut perdre du poids. Oui, il va vous montrer tout ça là demain. Demain, il va vous expliquer tout de A à Z. Mes chéris, moi je vous dis que moi là, je suis votre coach. Moi là, je suis votre ange.
Moi, je suis votre ange gardien sur cette terre-là. Moi, je suis venu là pour arranger votre couple. Je suis venu pour vous rendre pata. Je suis venu pour que vous vous sentez bien, pour que vous vous sentez belle, fraîche, jeune. Oui, moi, je suis là pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Ça, c'est la tisane de votre coach. C'est mon secret, ça. C'est ce que je mets dans l'eau. C'est ce que je mets dans l'eau. Et puis quand je bois là, toujours l'eau là est jaune comme ça, vous ne comprenez pas. Et puis le teint va tuer tous les jours. Et puis la femme va tuer tous les jours. C'est-à-dire que votre coach, elle a fini la nourriture. Moi, j'ai fini la nourriture. Moi, quand je sens un moyen là, le soir là, je prends foutou, je prends placali, je prends riz. Elle est sauce. Les sauces lourdes, agressives là. Moi, c'est ce que je mange le soir. Donc, nous, façon, on mange là. On mange trop lourd. Nous, les Africains, on mange trop lourd. Donc, je vais vous montrer tout. C'est-à-dire que quand tu finis de manger là, il y a ce que tu vas boire, il y a ce que tu vas prendre. Et puis quand tu bois ça là, ça écrase toute la graisse, ça écrase tout ce qui est lourd dans ton ventre là. Et puis ça fait que tu vas à la selle, tu élimines. Donc tout ce que tu manges là, tu élimines ça. Ça fait que tu grossis pas bêtement, ton ventre ne devient pas gros bêtement. Toi-même, tu es toujours pata. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un direct spécial ça pour vous expliquer. Mes femmes sûres, quand vous allez commander, je vais vous faire la livraison. Je vais dans le monde entier, ne vous inquiétez pas. Dans le monde entier, mais c'est vous qui payez les frais de port. C'est-à-dire que si tu as commandé là, les frais là, c'est toi qui payes ma chérie, c'est pas moi qui paye. Tu payes le produit, les produits et puis tu payes ton transport. Maintenant, si tu es du côté de Paris là, quand tu veux te déplacer, tu vas te déplacer, tu vas me trouver dans Paris là. Et puis, je vais te remettre ta commande. Tu vas me donner mon jet. Il n'y a pas de crédit dedans. Moi, je ne donne pas de crédit. Voilà, on cherche l'an, mon cher. Quand tu cherches l'an, là, c'est pour manger mouton. Ce n'est pas pour devenir mouton. Donc, tu n'as pas rentré dans le sentiment pour dire, oui, coach, il faut donner crédit. Il y a été remboursé après. Moi, je ne suis pas dans ça, mon cher. Si tu as le vrai jet, tu viens, moi, je te donne tes produits. Si tu n'as pas l'an, tu attends. Je ne suis pas dans crédit. Bon, on commence. On commence. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est les signes qui montrent qu'il n'est pas amoureux de toi. Les signes qui montrent qu'il n'est pas amoureux de toi, ma chérie. Tu es avec ton chéri. Quels sont les signes? Parce que quand tu es avec lui, tu as ton sixième sens qui te parle. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, la femme, elle a un sixième sens. Elle a un sixième sens très développé. Donc, quand tu es dans ta relation, et puis toi-même, ton sixième sens te parle. Et puis, ton sixième sens te dit que le gars, là, il n'est pas fond de toi. Le gars, là, il n'a rien à foutre de toi, là. Ma chérie, souvent, il faut écouter ton sixième sens. Souvent, il faut l'écouter. Ton sixième sens, c'est l'entendre te dire la vérité comme ça. Faut pas refuser ça. Bah, souvent, Dieu passe par ton sixième sens là pour te montrer des choses, pour te dire des choses. Mais si tu n'écoutes pas ton sixième sens, ma chérie, toi, tu as resté dans un problème. Tu as resté dans un problème, tu as resté dans une relation. Tu penses que tu es dans une relation, mais c'est la relation même qui est dans toi. C'est dans toi-même, la relation est dans toi. Donc, quels sont les signes? Le premier signe, il ne s'ouvre pas à toi. Le premier signe qui montre que le gars n'est pas amoureux là. Il ne s'ouvre pas à toi. En fait, il ne te montre même pas ses sentiments. Il ne te montre pas ses sentiments. Tu ne sais pas s'il est fin, il n'est pas fin. Ses émotions-là, lui, ne te montre pas. Rien, il n'est pas ouvert, il est fermé comme ça. Toi-même, tu n'arrives pas à le cerner. Ça, là, c'est le premier signe qui montre que le gars-là, il n'est pas fin de toi. Que le gars, il n'est pas amoureux de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'a rien à foutre de toi. Parce qu'un gars, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit garçon qui est là. Quand garçon est amoureux, quand garçon est fin. Parce qu'il y a deux. Moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, entre la femme et l'homme, il y a deux façons de montrer son amour. C'est-à-dire que la femme, quand elle est amoureuse, la femme, quand elle est très amoureuse de son mec, en fait, elle parle. Par exemple, nous, les femmes, quand on est fin, on parle. Femme, quand elle est en jaillie, elle parle. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Bébé, je veux te voir. Bébé, tu manques. Ça, c'est femme, ça. Mais garçon, quand il est fin. Quand garçon est fin, là, il n'est pas dans bébé, tu me manques. Bébé, je t'aime. Lui, il va poser des actes. C'est-à-dire qu'il va avoir des comportements. Toi-même, la go, tu sens que le gars est fin de toi. Toi-même, la go, tu sens que le gars, il est amoureux de toi. Voilà, il y a des go, là, elle se trompe. Quand sont les gars, ils se foutent d'elle, ils ne s'occupent même pas d'elle. Maintenant, quand ils sont là de temps en temps comme ça, et puis ils disent, bébé, tu sais, je t'aime. Bébé, tu sais, tu me manques. Elle pense que le gars est amoureux. Elle prend le gars amoureux. Pourtant, elle-même, elle est face à la réalité. Elle sait très bien que les actes qu'il pose là, ce n'est pas des actes de quelqu'un qui est amoureux. Il ne pose même pas les actes de quelqu'un qui est amoureux. Mais comme il dit dans sa bouche, bébé, je t'aime, oh, t'inquiète pas, je t'aime. Elle est là, le mouton, elle croit. Elle dit, il m'aime. Oh, il t'aime comment? Garçon, quand il est fin, vous connaissez? Quand un homme est amoureux, là, ce que vous connaissez? Moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand une femme dit, oui, tu sais,
Moi, mon chéri, là, il est tellement digne. Il a trop sa dignité. Donc, il est un peu fier de lui, là. Donc, lui, même quand il a tort, même quand il sait que c'est lui qui a tort, il s'excuse jamais. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un, il ne montre pas son amour. Il est un peu froid, il est distant. Mais c'est quelqu'un qui est fier de lui. Sinon, moi, mais il sait qu'il m'aime. Hé, ma chérie, toi-même, tu es en train de te voiler la face. Tu te voiles la face. Le gars n'est pas fond de toi. Garçon, quand il est fin. Garçon, quand il est amoureux, il ne connaît pas ce qu'on appelle dignité. Garçon, quand il est amoureux, il ne sait pas ce qu'on appelle, lui, je vais me donner un genre. Garçon, quand il est amoureux, même quand il a tort, même quand il a raison, il va te demander pardon. Oh. Même quand c'est que, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose là, c'est toi qui as tort là. Mais lui, il va t'appeler et puis il va te dire, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. C'est-à-dire que ça, c'est garçon qui est amoureux, ça. Il sait qu'il a, il n'a pas tort, mais quand même, il vient vers toi. Parce qu'il voit, il sait que s'il reste dans son coin là, toi, tu ne vas pas le calculer. Parce que tu as une go fatale. Voilà, ça c'est garçon qui est fort, mais garçon qui n'est pas amoureux, là, ma chérie, il te montre rien, il te montre pas ses émotions, il n'en a rien à foutre. Et puis garçon qui n'est pas amoureux, un homme qui n'est pas amoureux, j'espère que vous êtes en train de partager, hein. J'espère que vous êtes en train de partager, par moi c'est les partages qui me donne, qui m'inspire. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a beaucoup de partages, ça m'inspire et puis je baille pour vous donner. Mais s'il n'y a pas trop de partage là, moi je parle doucement et puis je quitte devant vous. Vous avez compris? Donc toi qui es en train de me regarder, toi la go qui est en train de me regarder, toi le gars qui est en train de me regarder, ça te coûte rien, ça coûte même pas 5 francs. Faut cliquer sur partage et puis ça va partir. Tu as compris? Voilà, parce que si tu me regardes, tu es enjaillé et puis tu ne partages pas là. Ça on appelle ça la jalousie, l'aigreur. Ça là, ça ne porte pas bonheur, ça porte la poisse. Si tu as envie d'avoir bonheur là, faut cliquer sur partage là-bas. Faut partager ma vidéo là-bas, mon cher. Partage ma vidéo là-bas. C'est-à-dire que le deuxième signe qui montre que le gars n'est pas amoureux de toi, ma chérie, ça veut dire que le gars, quand il est proche de toi là, ça veut dire que ton chéri là, il n'est jamais proche de toi, hein, mais lui quand il est proche de toi là, c'est pas son bas-ventre bas. C'est pas son bas-ventre en train de bouillir. C'est pour ça qu'il est proche de toi. Il est proche de toi que lorsque il a envie de mougou. Quand il a envie de mougou là, c'est là il est proche de toi. Donc quand le gars a envie de mougou là, là il fait semblant, il est à côté de toi, il est proche de toi comme ça, il te dit des mots que tu veux entendre. Il te fait des petites caresses, tout ça là. Mais quand vous partez mougou là, c'est-à-dire quand il a fini de faire le mougouli, il a fini de t'envoyer oh là là, il a fini de bien gâter le poing, son bas-ventre est bien vide, ses testicules sont devenus bien ploco-ploco là. Quand il a fini la mâcherie, il te calcule plus. Il ne te calcule plus, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de sujet, rien du tout. Rien du tout, il ne te parle pas. Toi-même, tu es étonné, ma chérie. Tu t'es dit, mais le gars, tout à l'heure, avant de grès, avant de s'envoyer oh là là, lui, au moins, on parlait, il avait des gestes un peu tendres. Mais pourquoi est-ce qu'on a fini de grès? Il est distant. On a fini de s'envoyer oh là là, il est distant, ma chérie, parce qu'il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Toi, tu es juste son plan de cul. Tu es juste son plan de cul. Parce que moi, c'est ce que je dis. Il y a des femmes qui confondent. Elles disent, oui, moi, je suis un mon gars. Il a toujours envie de moi. Quand on se voit là, mon gars là, mon chéri, moi là, quand on se voit là, tout de suite là, il a envie de moi, il a envie de me gréer en même temps. Ma chérie, c'est pas parce qu'il est amoureux de toi. Hein. Quand il te voit, il a envie de te gréer là. C'est-à-dire qu'il est juste attiré par toi. C'est-à-dire quand il te voit, il a envie de gréer, c'est tout. Un homme même qui a envie de te gréer tous les jours là, c'est pas parce qu'il est amoureux de toi. C'est parce qu'il te désire. Il te désire. Donc lui, quand il te voit là, il n'y a pas comment chaman. Lui, quand il te voit là, il n'y a pas fait de dire, oui, on va s'asseoir aujourd'hui, bébé. On va parler de notre quotidien. Il va s'intéresser même à ta personne. Il va s'intéresser à ton quotidien. Lui aussi, il va te raconter un peu son quotidien là. Lui, il n'est pas dans ça. Hein. Dès qu'il te prend en même temps là, juste à l'abattoir pour aller t'abattre. Quand il te prend net, il t'emmène à l'abattoir. Quand vous voyez net là, abattoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous voyez et puis il n'y a pas grelli. Il n'y a pas un jour où vous voyez et puis il ne te mougou pas. Ma chérie, il n'est pas fond de toi. Il n'est pas amoureux de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'est pas amoureux de toi. Garçon même, ça veut dire qu'un homme même quand il est amoureux de toi, quand vous emmenez, oh là là, ça veut dire que quand vous partez mougou, quand vous finissez de mougou comme ça, le gars même il est couché, quand il parle avec toi, tu sens même que le gars est content. Tu sens qu'il est content. En fait, vous finissez de mougou et puis vous parlez un peu. Il te pose un peu des questions sur toi et tout. Il s'intéresse un peu à ton programme, à ce que tu as fait et tout. Quand toi-même, tu finis de grès là, après, il y a des conversations, c'est-à-dire après, il y a des sujets. Ça, c'est le comportement des garçons qui est fin. Mais garçon qui n'est pas fin, quand il finit de te mougou là, il n'y a plus causerie, il n'y a plus sujet. Quand toi-même, vous finissez de mougou que tu veux parler, tu veux envoyer causerie là, il prend son téléphone et puis il est sur son téléphone.
quand tu parles, il dit, ah oui, d'accord, ah d'accord. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, mais il n'écoute plus. Il n'écoute plus. Lui, il veut vite rentrer. Il a fini de te mougou, ma chérie. Il a fini de te mougou. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, quand un garçon est fan de toi, tu sais. Parce que quand il est en train de te mougou là, tu sais en même temps. Parce qu'un garçon, quand il est fan de toi, quand il est en train de te mougou là, toi, la femme, tu sais. Ma chérie, c'est n'importe quoi. Il y a des garçons qui ne sont même pas amoureux de toi. Mais quand ils sont en train de te mougou là, ma chérie, tu as pensé qu'ils sont trop fans de toi. Parce que l'instant de mougouli là, lui, il aime ça. C'est-à-dire que tu as une go, il aime mougou et toi. Tu es bonne. Il aime mougou et toi. Donc quand il est en train de mougou avec toi comme ça là, quand il est en train de s'envoyer oh là là avec toi là, il y a des paroles, il fait sortir là, toi-même tu es contente. Oh bébé, non, tu es bonne. Bébé, tu es comme ci. Bébé, tu es comme ça. Non, j'aime trop ton corps. Ta manche, ma chérie, c'est pas parce qu'il est fin. Hein? C'est pas parce qu'il est fin. Hein? Il aime ton corps, c'est tout. Mais il n'est pas amoureux. Voilà, c'est-à-dire que c'est pendant les balles, les ébats là, c'est là qu'il parle. Il parle. Ça, c'est inspiration. C'est goût qu'il y a dedans là. C'est ce qui lui donne inspiration. Sinon, quand il finit là, ma chérie, tu es couché à côté de lui là-même, tu es comme une étrangère. Tu es comme une étrangère, ma chérie. Il n'y a pas de sujet de conversation. Lui-même, en fait, il ne fait pas d'effort. Il n'envoie même pas de sujet. Et puis, toi-même, quand tu envoies un sujet là, en fait, il se désintéresse même à ton sujet, ma chère. Toi-même, tu es couché à côté de lui là-même, tu es gêné. Tu es gêné. Ah, on a quand même dit la vérité. Et puis, un homme qui n'est pas amoureux, un homme qui n'est pas amoureux de toi, ma chérie, il est toujours en contact avec ses ex. Il est toujours en contact avec son ex. Un homme qui sort avec toi, un homme qui est avec toi, s'il continue de voir son ex, c'est qu'il n'est pas amoureux de toi. C'est qu'il n'est pas amoureux de toi. Garçon, quand il est amoureux, garçon, quand il est amoureux, est-ce qu'il a envie même d'entendre parler de son ex? Est-ce que son ex, même, il a envie de la sentir? Ça veut dire que son ex, même si elle a fait erreur de venir là, lui, mais il va lui montrer que maman, pardon, faut rester loin de moi. Moi, où je suis en ce moment-là, je suis dans goût. En ce moment-là, je suis fan de ma go. Donc, faut même pas venir dans ma vie même. Et puis, ça a créé des problèmes entre ma go et moi. Et puis, on va se séparer. Donc, garçon qui est amoureux là, ma chérie, il rentre pas en contact avec son ex. Il ne rentre pas en contact avec ses ex. Si tu es avec un homme, que cet homme-là, il est toujours en contact avec son ex. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de contacter son ex. Il n'arrête pas de communiquer avec son ex. Il n'arrête pas d'aller voir son ex, ma chérie. C'est qu'il n'est pas amoureux de toi. En fait, tu es juste le plan B. Tu es juste le plan B. Tu es juste son plan B. Voilà, c'est-à-dire qu'il est avec toi pour le moment. Et puis, il n'est pas fan. Mais comme il faut qu'il soit avec une go. C'est-à-dire qu'il n'est pas fan de toi. Mais tu es juste un plan B. Comme en ce moment-là. Lui et son ex là, ils n'ont pas encore repris. Donc il est en train de demander pardon là-bas. Il est en train de tout faire là-bas pour reprendre avec elle. Donc comme il ne peut pas rester comme ça, parce qu'il faut qu'il mougousse. Il faut qu'il mougousse. Donc toi tu es là. Tu es son punaise secours. Et puis il est avec toi. Maintenant quand ça marche avec son ex là, il dame sur toi et puis il va reprendre avec son ex. Ou même s'il a trouvé une autre go là, il dame sur toi et puis il s'envoie la go. Ça c'est garçon qui n'est pas fin. Garçon qui n'est pas amoureux, c'est comme ça, ça y est. Donc si tu es avec un homme que tu sais qu'il a repris contact avec son ex, qu'il continue de voir son ex, et puis tu essaies de communiquer avec lui, tu essaies de lui faire comprendre que cette façon ne te plaît pas, façon il communique avec son ex, ça te plaît pas là, ma chérie. S'il continue de communiquer avec son ex, s'il continue de voir son ex, c'est qu'il n'est pas amoureux de toi. C'est qu'il n'est pas amoureux de toi. On a quand même dit la vérité, il n'est pas amoureux. Voilà, donc toi-même, il faut comprendre les choses. Faut comprendre les choses. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas amoureux, toi-même, la go, quand tu es avec lui, tu te sens étrangère. Quand tu es avec lui, là, tu te sens étrangère. Ça veut dire qu'à part ton corps, là, toi-même, là, tu sens qu'il n'y a pas de lien. Tu sens qu'il n'y a rien. Vous ne partagez rien ensemble. Tout ce que vous partagez, là, c'est ton corps seulement. Parce que tout ce que tu dis, là, même, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'intéresse même pas à ton quotidien, il ne s'intéresse à rien. Donc, quand tu es avec lui, là, toi-même, tu ne te sens pas à l'aise. Tu dis, hé, tu as des sentiments, tu as des sensations, même que genre, tu es étranger. Pourtant, tu es avec ton gars. Tu es avec ton gars. Mais le gars, même, il te montre que, maman, toi et moi, là, il y a distance entre nous. Toi et moi, là, franchement, si toi et moi, on est ensemble, là, c'est juste un plan de cul, c'est juste une aventure. Donc, quand c'est comme ça, là, toi-même, là, beau, tu te sens étranger. Quand tu te sens étranger, là, ma chérie, c'est qu'il n'est pas fin, ma chérie. Il n'est pas fin. Il n'est pas amoureux. On a qu'à se dire la vérité. Il n'est pas amoureux. Quand un gars amoureux, même là, quand tu es avec lui, là, c'est toi-même, tu te sens étranger. Tu ne peux pas te sentir étranger. Quand tu es avec lui, là, même toi-même, tu sens que tu es avec un homme. Tu sens que tu es avec ton chéri. Toi-même, c'est-à-dire que tu as la paix intérieure. Tu n'es pas bizarre. C'est-à-dire que tu es avec le gars, tu te fais petite comme ça. Tu es le gars, mais tu te fais petite. Tu es petite comme ça. Tu es gênée. Tu es gênée parce que tellement qu'il ne crée pas causerie, tellement qu'il ne crée pas des choses, en fait. Tu te sens un peu bizarre, puis tu es avec lui quand même, comme tu l'aimes. Tu es avec lui quand même, tu es là.
tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, tu fais tout, en fait, pour le mettre à l'aise. Tu fais tout pour qu'il soit bien avec toi. Voilà, donc tu fais des choses, tu as souvent des gestes, tu vas l'inviter au restaurant, ou bien tu vas vouloir lui donner l'argent, ou bien tu vas vouloir lui envoyer un cadeau, ou bien tu vas vouloir lui dire, lui promettre quelque chose. Parce que quand tu es avec lui là, toi-même, tu te sens mal. Tu te sens mal, tu sais que le gars, il est avec toi, il est absent. Donc, tu te sens obligé de faire quelque chose, un geste, pour qu'il sourie avec toi, pour qu'il soit présent. En temps même, c'est pas ça. Il n'est pas fin, ma chérie. Il n'est pas fin. Quel que soit le cadeau même tu vas donner là, quand tu as fini d'un cadeau là, c'est fini. Sur le coup là, il est content. Mais le lendemain là, il a oublié. Il n'est pas fin de toi. Un homme qui n'est pas amoureux, il ne te connaît pas. Un homme qui n'est pas amoureux là, il te connaît pas. En fait, il te connaît superficiellement. C'est tout. Il te connaît, mais c'est de façon superficielle. En fait, il te connaît pas bien. Il sait même pas même ta date d'anniversaire. Il sait même pas même quand tu es né. Il te connaît pas même. En fait, il y a des questions même, si on lui pose sur toi là, il sait pas. Il sait pas parce qu'il n'a pas envie de faire des efforts. Il n'a même pas envie de faire des efforts. Parce que quand un homme amoureux là, il fait des efforts. Quand un homme amoureux, il s'intéresse à sa chérie. Ça veut dire qu'il sait quand elle est née. Il connaît sa date de naissance. Il connaît même son petit prénom même qu'on lui a donné là, de jeunesse là. Il connaît ça. Il connaît tout. Il connaît tout. Souvent même, il va connaître ta pointure tellement qu'il est fin. Mais garçon qui n'est pas fin, il ne te connaît pas. Lui, il ne te connaît pas. Quand on lui demande là, il connaît ton nom. C'est tout. Il connaît ton âge, c'est tout. Il sait où tu habites, c'est tout. Mais à part ça, là, ma chérie, il sait quel boulot tu fais, c'est tout. Mais à part ça, là, il connaît rien sur toi. Rien. Il te connaît pas. Il n'a pas envie de te connaître. Parce que quand tu as envie de connaître une go, là, c'est pas que tu te projettes avec elle. Mais lui, il se projette pas avec toi. Donc, pourquoi il va te connaître? Il va te connaître pourquoi? On a qu'à se dire la vérité. Un garçon même qui n'est pas fan de toi, un homme qui n'est pas amoureux de toi, en fait, il trouve toujours des excuses. Il trouve toujours des excuses. C'est-à-dire, il fait tout pour ne même pas te mettre même, pour ne même pas se mettre dans ton quotidien. Il fait tout pour ne pas te mettre dans son quotidien. Donc, il trouve toujours des excuses. Tout ce que tu fais là, lui, il trouve excuses. Quand tu trouves, tu dis, il y a une sortie. Il y a une sortie. C'est-à-dire que tes amis et toi, vous sortez. Tu veux qu'il vienne avec toi, il va toujours te dire non, j'ai pas le temps, désolé. Quand il y a quelque chose à faire, non, j'ai pas le temps, désolé. Toujours, il trouve des excuses. Tout ce que tu vas dire, excuse. Rendez-vous, il va trouver des excuses. Un moment vraiment important pour toi, où tu as envie d'être accompagné, tu veux qu'il vienne avec toi, il va te trouver des excuses. Il trouve toujours des excuses. Un homme même qui trouve toujours des excuses, là, ma chérie, il n'est pas amoureux de toi. Ben, un homme, quand il est amoureux de toi, ma chérie, il va déplacer la lune pour te donner. Un homme, quand il est amoureux, il déplace la lune pour te donner. C'est que tu veux, il fait tout pour te donner ça. En tout cas, s'il ne fait pas la totalité là, mais il va s'arranger pour faire quand même la moitié pour te donner. Mais un homme qui trouve toujours des excuses, toujours lui l'excuse. Toujours il l'excuse. Quand il y a quelque chose, il y a un petit engagement comme ça, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose à faire comme ça pour l'avancée de votre couple, pour l'évolution de votre couple là. Lui toujours trouve excuse parce qu'il n'a pas envie de s'engager dans la relation. Lui n'a pas envie de s'engager dans la relation. Toi, tu veux t'engager dans la relation. Toi, tu veux faire des choses. Tu veux que vous fassiez des choses ensemble. Mais il n'est pas prêt. Il n'a pas envie parce qu'il n'est pas amoureux de toi. Donc, toujours, il va s'excuser. Toujours, il va trouver des excuses. Ah non, c'est-à-dire que non. Ou bien, il va te dire oui. Hein. Au dernier moment, il te dit non, finalement, je ne peux plus. Excuse-moi, j'ai eu quelque chose à faire. Tout ça là, c'est garçon qui n'est pas amoureux. Garçon qui n'est pas amoureux, c'est comme ça. Et puis un homme même qui n'est pas amoureux, il ne se soucie pas de toi. Il ne se soucie pas de toi. Tu vas bien. Tu vas pas bien. Tu es malade. Tu n'es pas malade. Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il est à toi comme ça. Ça veut dire que toi-même, tu sens que dans ta vie, là, c'est toi seul qui te bat. C'est toi seul qui fait des trucs. Tu ne sens pas un soutien. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas fond de toi. Un homme qui n'est pas fond, c'est comme ça. Il ne se soucie même pas de toi. Il ne s'inquiète même pas pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est... C'est-à-dire que... Il ne fait pas exprès. Il ne sait pas faire exprès. Ça, c'est les hommes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous, les femmes. Je dis, les hommes, ils ne savent pas faire exprès. Un homme, quand il n'est pas amoureux, toi, la femme, c'est parce que tu es trop amoureuse que tu ne vois pas. Sinon, un homme, quand il n'est pas amoureux, il ne sait pas faire semblant. Tu le sens. Tu le sens. Oui, ça au début, il va faire semblant.
Au début, là, il s'est doux comme ça, il fait semblant. Mais ça, c'est pour 3 semaines, ou même c'est pour 1 mois. Mais après, là, c'est fini. Il va te montrer son vrai visage. Quand vous avez fini de casser le poitou beaucoup, beaucoup de fois, là, il te montre son vrai visage. Parce qu'un homme même qui ne se soucie pas de toi, un homme même qui ne s'intéresse pas à ton quotidien, un homme même qui n'a pas, qui ne s'inquiète pas de ce qui peut t'arriver, ce qui pourrait t'arriver, c'est un homme qui ne se projette pas. En fait, lui ne se voit pas avec toi dans le futur. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il ne voit même pas un futur avec toi. Lui, c'est l'instant présent, là, le sexe, c'est tout. Voilà, il faut comprendre ça. Et puis, un homme même qui ne t'aime pas, ça veut dire que quand tu as des problèmes, tu vas lui dire, sur le coup, là, il va dire, ah d'accord, ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Quand tu vas raccrocher là, il ne va même pas te rappeler pour dire, mais hey, le problème que tu as, ça va mieux. Hein? Et ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas quoi. Il ne s'inquiète pas, rien du tout. Quand tu lui dis quelque chose, tu as l'impression que ce n'est pas grave pour lui. C'est rien pour lui quoi. C'est-à-dire, il s'en fout même. Il s'en fout. Il ne te soutient pas. Rien du tout. Il n'est pas là pour t'épauler. Il n'est pas là pour te montrer que tu n'es pas seul. Que tu es avec quelqu'un. Tu es avec un homme. Tu peux compter sur lui. Cet homme-là va te soutenir. Cet homme-là va te remonter. Là. Lui ne te montre pas ça, ma chérie. Toi seul, tu as dans tes problèmes. On dirait que tu es célibataire. Pourtant, tu es avec quelqu'un. Pourtant, tu es un homme dans ta vie. Tu es un homme dans ta vie, mais on dirait que tu es célibataire. Pas tout ce que tu traverses dans ton quotidien, là. Tu traverses ça toute seule. Il n'y a même pas quelqu'un à côté. Lui, quand tu le vois à côté, là, c'est juste pour le mougouli. C'est tout. C'est tout. Juste mougouli. Et puis, c'est tout. Quand il finit, là, il rentre chez lui. Il n'y a pas de compte à rendre. Il ne te demande pas quelque chose. Pas, il y a des gosses souvent, tellement même qu'elles sentent que dans la relation, le gars n'est pas fin, le gars n'est pas amoureux. Souvent, elles essaient de le rendre jaloux. Souvent, tu as ton gars comme ça et puis tu veux le rendre jaloux. C'est-à-dire qu'on t'envoie un message ou on t'appelle et puis tu es avec lui. Lui-même, il voit qu'on t'appelle trop ou bien. En fait, tu veux le rendre jaloux un peu. Donc, tu lui dis vite fait là, oh, c'est un mec là qui me drague, franchement, je ne sais pas ce qu'il me veut, il me drague. Mais c'est-à-dire quand toi, tu dis ça dans l'intention de le voir réagir. En fait, tu dis ça pour qu'il soit un peu jaloux, pour qu'il sache qu'on te court après. Mais il dit, tu es à côté de lui là-même là. On a qu'à t'appeler 50 000 fois. On a qu'à t'envoyer 50 000 messages. Ce n'est même pas son problème. Il n'est même pas curieux. Il ne s'occupe même pas. Toi-même, tu es là comme ça, tu veux le rendre jaloux. Et puis toi-même, c'est versé sur toi. Toi-même, tu te sens ridicule. Tellement qu'il ne te calcule pas. Tellement qu'il t'ignore. Tellement qu'il est indifférent à tout ce que tu fais. C'est-à-dire, quand vous êtes ensemble, à tout ce que tu fais, il est indifférent. Tu veux le rendre jaloux, il n'est pas jaloux. Il ne te pose pas question. Il ne te pose pas question. Pourquoi qui t'appelle à cette heure-là? Qui fait ça? Qui fait ça? Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris, tu faisais quoi? Il ne te demande pas. Rien, il s'en gaba. Les Ivoiriens disent, il s'en gaba. Il ne te demande rien. Toi-même, tu es là quand tu dis, hey. Mais le gars là-même, le gars si. Le gars si, comme mes femmes sur, mes hommes sur, et Camerounais. Mais le gars si. Mais Dieu fait tout, moi-même, il ne réagit pas. Oh, est-ce que lui-même, il m'aime même? Il n'est même pas jaloux, ma chérie, c'est parce qu'il n'est pas amoureux de toi. C'est parce qu'il n'est pas amoureux de toi. Un homme, quand il est amoureux, on ne dit pas qu'il soit jaloux, de façon maladive. Mais un homme, quand il est amoureux, il est quand même jaloux. Il est quand même jaloux, il pose quand même des questions. Il essaie d'être un peu curieux. Parce qu'il protège la personne qu'il aime, il n'a pas envie de la perdre. Mais lui-même, rien. Rien de tout ça, ma chérie. Si tu veux même là, il ne faut pas l'appeler pendant une semaine. Il ne va pas t'appeler. C'est-à-dire que quand tu es là comme ça souvent, mais tu te sens tellement mal dans la relation que tu te dis, bon, je vais pas l'appeler. Je vais le laisser dans son coin un peu. Tu le laisses dans son coin là, ma chérie. Il ne réagit pas. Tu vas mettre une semaine sans l'appeler. Il t'appelle pas. Tu mets 2 semaines sans l'appeler. Il t'appelle pas. Tu lui envoies pas de message. Il t'envoie pas de message. C'est toi-même qui te lèves encore, puis tu l'appelles encore. Puis tu dis, mais toi, ça fait combien de temps que je t'ai pas appelé? Tu te soucies même pas de moi. Tu cherches même pas à prendre de mes nouvelles, rien, tu es là-bas dans ton coin. Puis il va te dire, mais si tu n'appelles pas, c'est pas que tu n'as pas envie d'appeler. Tu as appelé maintenant, là, c'est pas fini. Tu as appelé, là, c'est pas fini. Donc, si tu as appelé, c'est bon, causons. Faut arrêter de te plaindre. Ah, ça, c'est un garçon qui n'est pas fin, ma chérie. Quand un garçon fait ça, là, c'est que, ouh, ma chérie, il n'est pas fin de toi. Il n'est pas fin de toi parce qu'un homme, même quand il est fin de sa go, il ne peut pas rester 2 jours sans prendre de tes nouvelles. Il ne peut pas rester 3 jours sans prendre de tes nouvelles. Ça veut dire que s'il est resté 3 jours, 1 semaine sans prendre de tes nouvelles, c'est parce qu'il est fâché. Parce que peut-être que tu as fait une bêtise. Il est fâché. Donc, il boude. Il boude, il attrape son cœur.
Il attend 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne t'appelle pas. Et puis toi-même, quand tu sens qu'il est fâché, là, c'est toi-même qui as l'appelé. Ben, tu sais que tu as déconné. Ça, c'est garçon qui fait ça. Mais garçon, tu n'as rien fait. Il n'y a pas de palabre. Rien du tout. Bon, tu as décidé de te faire un peu désirer. Et puis, il ne te calcule pas. Garçon comme ça, là, ma chérie, il n'est pas amoureuse de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il n'est pas amoureux. Oui, il y a une dame comme ça qui me disait une fois, qui me disait, mais je sors avec mon chéri. Ça fait des années, nous sommes ensemble. Ça fait 5 ans. 5 ans ou même 4 ans là que nous sommes ensemble. Mais bon, c'est vrai que parfois, il est très présent et parfois, il est carrément distant. C'est-à-dire qu'il peut mettre des semaines sans donner signe de vie. Et parfois, il réapparaît pendant 1 semaine, 2 semaines, il est là. Et que je peux ne pas avoir de ses nouvelles, mais ce qui me soulage, ce qui me réconforte, c'est que le 14 février, la fête des amoureux, il m'a appelé pour me dire bonne fête. Donc, ça veut dire qu'il m'aime. Hé hey! C'est ça qui est quoi? Un homme même, il ne fait pas signe de vie. Un homme même, il ne s'intéresse pas à ton quotidien. Un homme même, il ne te soutient pas. Il ne se soucie même pas de toi. Rien du tout. Il fait silence radio. Pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu n'as pas de ses nouvelles. Il ne t'appelle pas. Ce n'est pas pour dire qu'il est décédé. Même s'il est en Chine. En Chine, on peut joindre. Maintenant, là, avec la technologie, là, même ton chéri, s'il est en Chine, il peut t'appeler sur WhatsApp. Il peut t'appeler sur son téléphone. Pourquoi il ne va pas t'appeler? Qu'est-ce qui l'empêche de t'appeler? Tu vas lui envoyer un message, il ne réagit pas. Il y a des hommes là, eux, quand tu es avec eux là, tu vas envoyer un message, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, ils vont te répondre 1 semaine après. Il n'est pas marié, il est célibataire. Ça veut dire que toi, pour toi là, c'est ton gars. Toi, vous êtes deux seulement là. Toi et puis ton chéri. Tu lui envoies un message, il te répond 1 semaine après. Ma chérie, ça c'est quel truc ça? Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'est pas amoureux. Donc, un homme comme ça, qui fait silence radio, qui est dans son coin, qui vit sa life, c'est-à-dire que lui vit sa vie. Et puis bon, le 14 février, c'est la fête des amoureux, il t'appelle, il te dit, oui bébé, bonne fête des amoureux, je t'aime. Et puis toi aussi, tu es contente comme ça. C'est-à-dire que foutaise, il met sur toi depuis là. De toute façon, il ne te calcule pas là, tu oublies. Hein? C'est bonne fête là, que toi tu retiens. Il a dit bonne fête dans la bouche, il a fait quoi? Parce qu'on dit fête des amoureux là, c'est pas se dire bonne fête seulement. À moins que ce soit une relation à distance. Quand c'est une relation à distance, vous êtes obligé de parler au téléphone pour dire bonne fête bébé, je t'aime, tu me manques et tout. Mais c'est pas relation à distance. Vous êtes dans la même ville. C'est la fête de Saint-Valentin. Lui va t'appeler simplement bonne fête. Il fait quoi? Il doit poser des actes. Il doit poser des actes. Un homme qui aime, quand c'est la Saint-Valentin, il sait qu'il doit inviter sa chérie au restaurant. S'il ne peut pas inviter sa chérie au restaurant, il sait qu'ils peuvent passer la soirée ensemble. Il lui offre un petit cadeau, elle lui offre un petit cadeau. Mais ils sont ensemble, ils passent la soirée ensemble. C'est ça qu'on appelle « je suis amoureux de ma go ». Mais le gars, même 14 février, même tu ne le vois pas. 31 décembre, même tu ne le vois pas. C'est-à-dire que les moments importants dans la vie, là, toi, tu ne le vois pas. Il ne te calcule pas. C'est ce téléphone seulement, il fait. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu as resté dans ça, là. Donc, toi, tu es là pour ça, quoi. C'est-à-dire que toi, quand tu es avec un gars, là, tu te contentes que du peu. Tu n'as tellement pas confiance en toi que c'est le peu qu'on te donne, là. Toi, tu es contente déjà. Tellement que tu es amoureuse, tellement que tu as peur. Un homme même qui ne te calcule pas, tu vas l'aimer pourquoi? Un homme même qui n'est pas amoureux de toi. Un homme même qui ne te calcule pas, qui ne se soucie pas de toi. Mais tu vas l'aimer pourquoi? Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Toi, une femme, tu dois être forte dans la tête. Tu dois te dire que j'aime un homme qui m'aime. Je dois aimer un homme qui m'aime. Un homme qui ne m'aime pas, un homme qui n'est pas attentionné, un homme même qui ne s'intéresse pas à ma personne, à mon quotidien, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas l'aimer. C'est comme ça. Toi-même, la femme, même quand tu te mets ça dans la tête parce que tu t'aimes, tu te considères toi-même là. Cet homme-là, tu ne vas pas l'aimer, ma chérie. Tu ne vas même pas l'aimer. Hein? Et puis, un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui n'est pas amoureux. S'il vous plaît, je suis en ligne. Vous m'appelez depuis. Un homme qui n'est pas amoureux. Cet homme-là, il préfère rester tout le temps avec ses potes, ses amis. Oui, ça c'est les hommes qui ne sont pas amoureux ça. Un homme qui n'est pas amoureux là, lui passe tout son temps avec ses amis.
il va en boîte avec ses amis. Il fait tout ce qu'il fait là, c'est avec ses amis. Il va organiser des voyages avec ses amis. Il va organiser des soirées avec ses amis. Il va organiser des petits moments avec ses amis. C'est vrai, un homme quand il est en couple, un homme quand il est avec sa chérie, il a son espace. Il doit avoir son espace. Ça veut dire qu'il y a un moment où il peut être avec ses amis. C'est vrai. Mais quand ça devient son habitude, c'est-à-dire que quand c'est ce qu'il fait tous les jours là, ça là c'est foutaise. C'est pas, il t'aime pas, il t'aime pas. Il n'est pas fond de toi. Il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Ben lui, il se sent mieux, bien avec ses amis. C'est-à-dire que quand il est avec ses amis, là, il faut le voir, il rayonne comme ça. Il est heureux comme ça. Il ricane, il rigole comme ça, sa gorge, là. Son gosier, là, ouvert comme ça. Tellement qu'il est content. Mais quand il est avec toi, là, son visage est comme ça. Quand il est avec toi, là, il est distant. Quand il est avec toi, il est renfermé. Donc, tout ce qu'il veut partager, là, c'est avec ses amis, seulement il partage. Toi-même, là, il ne te met pas dedans. Ben si c'est-à-dire que tu aimes passer des moments avec tes amis et que de temps en temps, tu es avec tes amis. Et que de temps en temps aussi, tu me dis, chérie, viens avec nous. Ça, là, ça se comprend. Mais jamais. Là, lui, quand il fait ses trucs avec ses amis, là, il te met à l'écart. Il te met à l'écart. Quand tu veux participer, il te dit, non, chérie. Non, je veux rester qu'avec mes amis. Tous les jours, je veux rester qu'avec mes amis. Tous les jours, je veux rester qu'avec mes amis. Il est toujours avec ses amis, ma chérie. Il ne te met même pas parmi ses amis, là. Il ne te met pas dedans. Et puis souvent, mais il organise des soirées, des voyages, tout ça avec ses amis-là. Il ne te dit même pas. Il ne t'informe pas. Tu n'es même pas informé, ma chérie. C'est-à-dire que tu es ignoré même. C'est toi-même, quand il va dans son voyage, mais il va faire ces trucs-là. Et puis quand toi-même, tu l'appelles, il te dit, non, je suis avec mes amis. On a voyagé un peu, je suis avec mes amis. On a fait ça ensemble, on est en train de faire ça. Et puis tu lui dis, mais tu savais que tu allais voyager avec tes amis. Tu sais que tu as quelque chose. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu ne m'as même pas informé. Ah ben, écoute, bon, désolé. Désolé, je suis avec mes amis là. Ok, désolé. Oui, pourquoi tu m'as appelé? Comment tu vas? Oui. C'est-à-dire que quand il décroche même là, il veut que tu parles vite pour te taire. Faut vite parler, tu vas te taire. Parce qu'il est avec ses amis. Il est en train de passer de bons moments avec ses amis. Toi-même là, tu l'appelles, tu le déranges. Tu as l'impression d'être de trop. Tu as l'impression d'être de trop. Ma chérie, il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Bah, mieux que drap. On n'a qu'à se dire la vérité, ma chérie. Toi-même, tu vas savoir dans quoi tu es. Ça va t'aider. Au lieu de rester dans goumen-goumen tous les jours. Toi, tu es dans relation, tu es avec un gars, tu es censé être heureuse. Toi, toujours, tu es dans goumen-goumen. Tous les jours, toi, ta relation, là, tu es dedans, là, c'est pour souffrir seulement. C'est pour te sentir mal à l'aise seulement. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Tu es mazo. Il y a des gens, mais eux, ils appellent. On est en direct, mais ils vont insister. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un homme même qui n'est pas amoureux, il ne te présente pas à ses proches. Il ne te présente pas à ses proches. C'est-à-dire que quand c'est un début de relation, quand tu es avec ton chéri, les premiers mois, il peut ne pas te présenter à ses proches. Ça, c'est normal. Il peut ne pas te présenter à ses parents, à sa famille. C'est normal. C'est un début de relation. Parce que si tu veux, le mec n'a pas envie de te présenter tout de suite à ses parents. Et puis, quelques mois après, vous ne serez plus ensemble. En fait, il n'a pas envie de présenter plusieurs femmes à ses parents. Voilà pourquoi, dès le départ, il ne te présente pas. Voilà pourquoi, dès le départ, il ne te présente pas à ses amis proches. Mais il dit, vous avez fait un an ensemble, vous avez fait 2 ans, vous avez fait 3 ans, personne ne te connaît, ses proches ne te connaissent pas, ses parents ne te connaissent pas, rien du tout. Toi, tu es dans ton coin là-bas, ceux qui te connaissent là-même là, ce sont ses amis de dehors. Ce sont ses amis de dehors. Par exemple, c'est ce qu'il dit aux femmes, il dit les hommes là, ils ont deux types d'amis. Ils ont des amis qu'ils rencontrent dehors. C'est-à-dire que quand ils sortent tous les jours, il y a les mêmes visages qu'ils rencontrent tous les jours, ils croisent tous les jours. Et donc quand ils se voient, ils causent. Ils se taquinent un peu, mais ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Ça veut dire qu'ils ne se fréquentent pas. Ces personnes-là ne le connaissent pas vraiment. Donc, toi, quand tu es avec lui, là, ce sont ces personnes-là qui te connaissent. Ces amis de dehors, là. Ces amis vite fait, enfin, ces connaissances-là. Ce sont ces connaissances-là qui te connaissent. Mais ces proches, là, ceux qui le connaissent, ceux-mêmes qui connaissent qui il est, là, ils ne te connaissent pas. Rien du tout. Ma chérie, il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Oui. Tu vas attendre combien d'années? Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Et puis personne ne te connaît. Tu penses que c'est normal? Il n'est pas amoureux de toi. Il te dit quoi? Oui, pour le moment, je veux qu'on soit discret. Je veux que vraiment toi et moi, on reste dans notre coin et tout. C'est-à-dire que par exemple, garçon qui n'est pas fin, il ment comme il respire. Garçon qui n'est pas fin, il ment, mon cher. Il ment même quoi. Ce qu'il entend, il te dit là. Lui-même, il sait que ce qu'il te dit là, c'est pas normal. Mais comme toi aussi, tu es fin, tu es mouton, donc tu écoutes. Sinon, lui-même, il sait que ce qu'il entend, il te dit là, c'est pas normal. Il sait que c'est pas normal. Les excuses qu'il trouve là, il sait que c'est pas normal.
Oui, c'est-à-dire que tu sais mes proches, oui, mais t'inquiète pas, je vais te les présenter. Tu sais mes parents, oui, ils sont comme ci, comme ça, t'inquiète pas, je vais te présenter. Depuis là, t'inquiète pas. Ça fait les années passent seulement, t'inquiète pas, c'est même discours là qui sort de sa bouche. Ma chérie, il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Oh. Un homme même qui n'est pas amoureux de toi, c'est-à-dire que quand vous organisez une soirée comme ça, quand vous organisez quelque chose, vous voulez passer des moments ensemble, des moments dingues ensemble. Toi, la gomme, c'est-à-dire tu t'en vas acheter la plus belle lingerie de la planète. Tu te mets dans la lingerie. Tu t'en vas acheter la plus belle robe. Tu te mets dans la robe. Tu vas te coiffer. Tu te maquilles jusqu'en tu es belle comme ça. Toi-même, tu te laves avec ton parfum. Tu sens bon comme ça. Et puis, tu t'envoies le gars. Et puis, le gars et toi, vous passez la soirée ensemble. Mais ça veut dire que le gars, là, il te regarde même. On dirait même que c'est un morceau de pain que tu as attaché. On dirait même pas même que tu es pata. Toi-même, quand tu sortais de chez toi, là, tous ceux qui t'ont vu, ils ont dit, waouh! Waouh, ma chérie! Qu'est-ce que vous êtes belle! Oh là 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 là, ma chérie, non, mais t'es trop belle. Oh, t'es bien coiffée, oh, t'es bien habillée, oh, t'es ta... Mais le gars là, tu vas aller t'asseoir avec lui là-bas, là, tu vas passer soirée avec lui là. Un mot même, il ne dit pas. Tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fait là, un mot, il ne dit pas. Toi-même, tu te sens laide. Tu te sens vilaine en même temps. Tu te dis, est-ce que c'est que les gens là m'ont dit dehors là, quand ils venaient là? Est-ce que c'est que mes camarades là m'ont dit là, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que mes soeurs là m'ont dit même c'est vrai? Pas le gars, mais je suis lui-même, il ne m'apprécie pas, il ne me calcule pas, pourtant de toute façon je suis pas là. Ma chérie, il n'est pas amoureux de toi. Il n'est pas amoureux de toi. Oui, il n'est pas amoureux de toi. Garçon, quand il est amoureux, tout ce que tu as fait là, lui-même il va te dire un mot, il va dire bébé, tu es belle. Oh, bébé, tu es belle. Oui, mais tout ce que tous les efforts là, ma chérie, il dit rien. Toi-même, il te regarde pas. Il ne te regarde pas. C'est-à-dire, quand vous voyez là, tout de suite là, c'est le grelis. C'est le grelis. L'ingérie que tu as payée, la belle lingerie que tu as payée là. Il enlève habit là. L'ingérie là, il regarde. Ça lui plaît, c'est tout. Mais il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Il enlève l'ingérie là, il te garde bien. Et puis quand c'est fini. Lui, il est à toi comme ça. Et puis, il n'y a même pas de causerie, rien. Toi-même, tu es étonné. Tu es à côté de lui. Tu dis, ya! Le gars là, même pas une appréciation. Même pas un compliment. Rien du tout. Et puis, je suis à côté de lui comme ça. Tiens, lui il est comment? Mais ses yeux ne les voient pas. Bah, oui, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui me diront, oui, mais un homme n'a pas besoin de dire tout le temps, tu es belle, ma chérie. C'est vrai, un homme n'a pas besoin de dire tout le temps, tu es belle. Mais il dit, quand tu fais beaucoup d'efforts là, et puis tu as changé là, un homme qui est amoureux là, il te dit, si il t'a pas dit, tu sais, quand vous êtes en train de causer là, quand vous êtes en train de gueuler là, il va faire sortir une phrase, il va dire un mot. Tu as senti que le gars même, il est content de te voir, père, tu brilles, tu es pata. Mais rien du tout. Rien même. Ma chérie, toi-même, tout l'argent que tu allais dépenser là-même, tu regrettes. Tu te dis, tout l'argent que tu allais mettre dans tout ça, là, cheveux, lingerie, talons, parfum, rien. Et il n'a même pas calculé, il n'a même pas vu ça. Ma chérie, il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. C'est comme ça. Garçon, quand il n'est pas amoureux, là, c'est comment il se comporte. Il ne fait pas exprès. Faut être Miss Monde même. Tu as à côté de lui, là, tu ressens même à Guenon. Tu ressens à Guenon. Bah, il ne voit pas même ton côté Miss Monde. Bah, il n'est pas fin. Il n'est pas amoureux de toi. Donc, c'est quoi? Toi-même, là, même, tu fais tout, mais rien du tout. Le gars, même, il est indifférent à tout. Tout ce que tu fais, il est indifférent. Tu vas faire quoi dans ça, là? Il n'est pas fin de toi. Voilà, c'est-à-dire que tu es dedans et de plus en plus tu as de mauvais pressentiments. De plus en plus tu as de mauvais pressentiments. Parce que toi-même tu sens que le gars ne fait pas d'efforts. Toi-même tu sens que le gars n'est pas fin. Tu es mal à l'aise, tu es mal à l'aise, tu es mal à l'aise. Mais en fait, tu te laisses tellement aveugler par l'amour que tu te dis, bon, non, ça va s'arranger. Bon, ça va aller. Bon, je vais attraper mon cœur, ma chère. Moi, je l'aime. Oh. Je n'ai pas envie de le perdre. Oh. Je l'aime trop. Mon cher, même s'il se comporte comme ça, ce n'est pas grave. C'est lui ou rien. C'est lui, c'est de lui que je veux. Donc, s'il veut, maintenant, qu'il fait ce qu'il veut. Par exemple, vous, les femmes, là, c'est ce que vous faites. Et puis, les hommes vous appellent pour. Les hommes vous appellent pour. On dit, oh, la go, là, c'est pour. Lui-même, quand il a ses amis, là, quand tu appelles, là, il dit pour m'appelle. Il y a pour qui m'appelle. Lui et ses amis, même rigolent pour dire c'est qui? Ah, c'est là, c'est Yolande là. Oh, mais franchement, elle est saoulante, elle. Qu'est-ce qu'elle veut?
Oh, mais franchement, je sais pas ce qu'elle me veut, celle-là. Je fais tout pour lui montrer que je l'aime pas, que j'ai pas envie de m'engager avec elle, j'ai pas envie, je me projette pas avec elle, mais elle est collante comme ça. Elle est de plus en plus collante. Dans toi, là, go, tu es dans ta relation, toi, on t'appelle pour. On t'appelle pour. Dans toi, tu es né là, c'est pourquoi on t'appelle pour, quoi. Dans toi, tu es dans la relation, en cas t'appeler pour. Tes parents t'ont mis au monde là. C'est pourquoi on t'appelle pour. Tu es jolie comme ça là, c'est pourquoi on t'appelle pour. Tu es pata comme ça là, c'est pourquoi on t'appelle pour. Hein? Si la partie où on t'appelle pour là, ma chérie, faut partir. Amour là, c'est forcé. Ah, c'est amour là, c'est forcé. Toi-même, tu es dans quelque chose, tu sens qu'on ne te calcule pas. Mais prends un peu de recul et puis même, faut zapper même le gars. Faut le zapper. Quand tu as le zapper là, il y a un comportement que toi-même, tu vas avoir là. Lui-même là, il ne t'aimait pas, hein? Mais il va commencer à venir vers toi. Et puis c'est maintenant toi, maintenant tu vas lui montrer qui a mis l'eau dans le coteau. Qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas te donner un genre. Tu vas te donner un genre. Et puis c'est maintenant, lui va commencer à t'aimer. Parce que ce que tu es en train de devenir là, celle que tu es en train de devenir là, c'est ce type de femme là. Il est fin. C'est de ce type de femme là, il est fin. C'est ce type de femme là qu'il aime. Parce que quand vous parle là, vous ne comprenez pas où. Quand vous parlez là, vous ne comprenez pas. Quand vous êtes trop amoureuse là, quand on parle là, vous pensez que c'est des blablabla. Quand on parle là, vous pensez que c'est pour vous séparer. On veut vous séparer. On ne veut pas vous séparer. On veut vous ouvrir les yeux. On veut que vous souffrez de moins en moins. Parce que dans une relation là, dans une relation, toi la femme, tu dois te sentir aimée. Dans une relation, toi la femme, tu dois te sentir désirée. C'est comme ça. Mais relation où tu es dedans et puis tu ne te sens pas aimée. Relation où tu es dedans, tu ne te sens pas désirée là, ma chérie. Là, on appelle ça courir dans sac. Tu cours dans sac. Est-ce qu'on court dans sac là, on arrive quelque part? Nulle part. Quand tu cours dans sac là, tu as couru sans, tu seras fatigué, tu as descendu, tu as sorti de sac là. Il n'y a pas de destination. C'est comme ça, quand tu es dans relation et puis on ne t'aime pas. Quand tu es dans relation et puis on ne te calcule pas. Tu es dans relation et puis on ne s'intéresse pas à ton quotidien. Tu es dans relation et puis on ne se soucie pas de toi là. Tu cours dans sac. Voilà, tu cours dans sac. Quand toi-même là, même là, quand la date d'expiration va arriver là, le gars là même là, c'est lui-même, il va te laisser. C'est lui-même qui va te laisser. Voilà. C'est-à-dire que lui-même, il va commencer à être distant, distant, distant. Et puis un coup là, il t'a fermé, c'est fini. Un coup, il t'a fermé, c'est fini. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais le gars est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Parce que toi, tu es resté toute ta vie là, avec lui là. Tu es resté en train de te voiler la face. Tu es resté en train de te faire des raisons. Des raisons. Des raisons. Femme, quand elle est amoureuse là. Femme, quand elle est trop amoureuse, elle se fait trop de raisons. Femme. Femme. Quand femme est amoureuse. Elle est plus forte qu'avocate. Femme qu'elle est amoureuse, elle est plus que les avocats. Elle est plus forte que les avocats. Ouh! Femme qu'elle est amoureuse, quand elle est en train de défendre son... Le gars même qui la calcule pas là. Mais si elle est en train de le défendre, toi-même tu as dit, mais la fille là, elle fume la drogue ou bien elle fait exprès. Par exemple, elle ne comprend pas. De toute façon, le gars est en train de se foutre d'elle. Mais regarde comment elle est en train de le défendre. Ça, c'est femme qui est trop amoureuse. On les appelle les go passionnés. Les femmes passionnées, c'est comme ça elles sont. Elles-mêmes là, c'est dit que dans leurs yeux là, elles regardent. Elles-mêmes elles sentent qu'on met foutaise sur elles. Mais elles vont maquiller foutaise. Elles vont rendre ça en... Elles vont embellir la foutaise comme ça. Puis elles sont là. Hé, hey, mon chéri là. Non, hein. Il se comporte comme ça là. Sinon, il est bien. Sinon, tout à l'heure là. Et puis, femme qui est amoureuse. Femme qui est amoureuse et puis on ne calcule pas la façon elle ment. Les femmes qu'on n'aime pas là. Les femmes que les hommes n'aiment pas, les personnes dans la relation, ils se foutent d'elles jusqu'à un. Ils leur montrent même qu'ils ne les aiment pas là. Ces femmes-là, elles montrent comme elles respirent. Femmes amoureuses. Quand elles se voient la face, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment plus qu'elle? Ça veut dire que ce qu'elle veut vivre avec le gars là, comme elle vit pas le gars, elle prend ses pieds, elle raconte à ses copines, à ses amis. Mon chéri m'a appelé tout à l'heure là. Voilà ce qu'il m'a dit. Oh, j'ai dit que tout à l'heure il m'a appelé, il était jaloux comme ça. Parce que quand il m'a appelé, je n'ai pas pris. Donc il m'a rappelé, il dit, il était jaloux comme ça, ma copine. Non, il m'aime trop. Voilà ce qu'il m'a dit. Attends, tout ça là, c'est faux, hein. Tout ça là, c'est faux. Le gars même ne la calcule pas. Ça fait 2 jours, mais il l'appelle pas. Ça fait 3 jours, mais il la calcule pas. Elle-même, là-même, elle vient de l'appeler, même il a brossé. Il lui a dit, écoute, je te rappelle. Je te rappelle. Et puis il n'a pas rappelé. Mais quand elle va appeler ses copines là, copine, ouh. Je viens d'avoir mon chéri là, voilà ce qu'il m'a dit. Oh. Et puis la copine aussi, copine, si t'as dit ça là, c'est qu'il est fond de toi là. Copine, je dis, il m'aime même.
Quand il m'a dit ça, là, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça, bébé? Et tu sais, oh, mon chéri m'a appelé tout de suite, il a dit de le rejoindre. Oh, mon chéri, tu sais, le 14 février, là, il est venu me chercher comme ça, il m'a fait une surprise. Il est venu me chercher, on allait dormir. Oh, il m'a offert un cadeau. Tout ça, là, c'est faux. C'est faux. Il ne lui a même pas offert de cadeau. Février, là, 14 février, là, il n'a même pas appelé. Il n'a même pas calculé. Mais comme elle a envie de vivre ça, donc, en fait, elle fait même son film dans sa tête et puis elle dit à ses copines, en fait, pour se soulager elle-même, pour se réconforter elle-même. Donc, quand elle dit à sa copine, là, elle vit son mensonge. Voilà, ça, c'est les femmes passionnées. Les femmes passionnées, là, elles sont aveugles. Elles vivent leur imagination. Donc, quand elles racontent à leurs copines, là, elles sont en train de vivre. Pendant qu'elles te racontent, elles vivent ça. Et puis, ça lui fait plaisir, puisque dans la vraie vie, là, elles ne vivent pas ça. Tout ça, là, c'est connerie, c'est souffrance. C'est souffrance. Quand tu es dans une relation, ma chérie, si on ne t'aime pas, là, c'est pas à faire. Si on ne t'aime pas, c'est pas à faire. Si on ne te calcule pas, c'est pas à faire. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de tirer sur le fil. Vous tirez sur le fil. Ça sert à quoi de tirer sur le fil? Rien du tout. Ça va pas changer grand-chose. Voilà. Ça veut dire que toi-même, c'est un comportement que tu vas adopter. Toi-même, là, il y a un comportement que tu vas avoir. Il y a une attitude.